ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, ô vous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté du Coran, dans ce mois de Ramadan, qui est le mois dans lequel le Coran fut descendu, sachez que notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a été questionné sur la moralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son comportement. Elle a dit, son comportement était le Coran. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, a dit, cela veut dire que son comportement en entier était ce qui est résumé dans le Coran. Tout ce que le Coran a trouvé bien et a loué, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait. Et tout ce que le Coran a réprouvé et a demandé de délaisser, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en éloignait. Alors le Coran était un détail ou une explication de son comportement. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme message universel pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Pour les Arabes et les non-Arabes. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a promis d'élever et de donner victoire aux gens du Coran et à ceux qui s'attachent au Coran. L'imam muslim a rapporté que Nafi' ibn Abdil Harith a rencontré Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il l'a rencontré à Usfan. Et Omar l'avait désigné comme gouverneur de la Mecque. Nafi' lui a demandé, « Ô chef des croyants, prince des croyants, qui as-tu désigné gouverneur sur l'Ouadi ?» Omar répondit, « J'ai désigné Ibn Abza. » Nafi' dit, « Qui est Ibn Abza ?» Il dit, « C'est un affranchi parmi nos affranchis. » Un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave ou un non-arabe qui a été affranchi, qui a été libéré. C'est un affranchi parmi nos affranchis. Il a dit, tu as mis un affranchi, un non-arabe, gouverneur à l'Ouadi. Omar rétorqua, il connaît le livre d'Allah et il connaît la science de la succession et de l'héritage en islam. N'as-tu pas entendu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, Allah élèvera par ce Coran certains gens et il en rabaissera d'autres. Effectivement, tous ceux qui s'attachent au Coran, lisent le Coran, apprennent le Coran, qui mémorisent le Coran, qui en comprennent ses sens, qui pratiquent ses ordres, qui délaissent ses interdits, qui pratiquent son comportement, qui connaissent son halal et son haram, qui le méditent, qui se soignent avec, qui reviennent en tout jugement à lui, Allah va les élever. Et ceux qui s'en détournent, Allah va les rabaisser. Même si c'est un arabe, descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou quelqu'un de sa famille, s'il s'éloigne du Coran, Allah le rabaisse. Et même un non-arabe qui n'a rien de lien, de filiation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il a pratiqué le Coran, Allah va l'élever au plus haut degré. Regardez comment Omar a compris cela. À une époque où l'esclavage était répandu dans le monde, il a mis un affranchi gouverneur sur les Arabes. Regardez l'islam, comment il est venu combattre le racisme et les différences. Et il a fait la différence seulement sur la piété, il y a 1400 ans. On n'a pas entendu le traité des droits de l'homme pour faire cela. Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde de se détourner du Coran. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, celui qui se détourne de mon rappel. Le rappel, c'est le Coran et la Sunna, la révélation. Nous lui ferons vivre une vie misérable.
et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Il va dire, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant bien voyant? Il lui sera dit, quand mes signes se sont parvenus, tu t'en es détourné, tu les as oubliés, alors aujourd'hui aussi tu seras oublié et délaissé. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Furqan, dans le sens des versets, et le messager a dit, ô mon Seigneur, mon peuple a exilé le Coran. Le messager se plaint du fait que son peuple, il exile le Coran de sa vie. Il est loin du Coran. Le Coran appelle à une voie et le peuple de l'islam suit une autre voie. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, a dit, parmi les manières d'exiler le Coran, premièrement, le fait de ne pas l'écouter et de ne pas croire en lui et de ne pas lui prêter oreille. Deuxièmement, le fait d'exiler, le fait d'agir avec le Coran et de s'arrêter à ses limites, c'est-à-dire dans son halal et son haram, pratiquer son licite, délaisser l'illicite, même s'il le lit et il croit en lui. La troisième manière d'exiler le Coran, c'est le fait de ne pas revenir à lui pour se faire juger dans nos affaires, que ce soit dans les fondements de la religion ou dans ses ramifications, et croire que ce avec quoi est venu le Coran n'est pas une science certaine. Celui qui croit cela, d'ailleurs, n'est pas musulman. Celui qui a un doute sur la véracité des règles du Coran ou du Coran n'est pas un musulman, car le Coran est la parole d'Allah. Quatrièmement, le fait d'exiler sa méditation et la compréhension de ses règles et de comprendre ce qu'a voulu celui qui a parlé avec le Coran. Qui a parlé avec le Coran? Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Le créateur des hommes et des djinns, des blancs, des noirs, des européens, des asiatiques, des américains, des chinois, du monde entier. Notre créateur à tous. Cinquièmement, le fait d'exiler, le fait de se soigner avec le Coran, de toutes les maladies du cœur et des maux qui peuvent nous toucher, de toutes les maladies. Bien que certaines sortes d'exil soient pires que les autres. Serviteurs d'Allah, quand nous méditons sur notre cas, on peut en déduire que toutes les catégories d'exil du Coran sont présentes en nous, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Répandu dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on le voit de manière évidente. On le voit à travers le fait que le Coran n'est pas lu. Le Coran est divisé en 30 parties. Une partie fait moyennement 20 pages. Lire 20 pages de Coran pour quelqu'un qui a une lecture normale, ça prend une demi-heure. Pour quelqu'un qui a du mal, ça prend 40 minutes, 45 minutes. Pour quelqu'un qui lit rapidement, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Combien de temps passe-t-on à lire les journaux, à suivre les informations, à lire ce qui est dit sur Twitter, sur Facebook, sur... Je sais pas, il y a tellement de noms, on ne suit plus. Chaque jour, il y a un nouveau nom qui sort. Et on délaisse la lecture du livre d'Allah, qui pour chaque lettre récitée, il y a 10 hasanas. Et Allah, il multiplie à qui il veut. Qui est une guérison pour les cœurs et une guérison pour les corps. Parmi les manières d'exiler le Coran qui sont répandues, le fait de délaisser son écoute et de préférer l'écoute de la musique et suivre les films et les séries télévisées ou bien les matchs sportifs au lieu d'écouter le Coran. Parmi les maladies qui sont répandues dans la communauté, dans le fait de délaisser le Coran, c'est que notre comportement est dans une voie, dans une plaine, et ce à quoi appelle le Coran est dans une autre voie. Parmi les méfaits qui sont présents, ou bien notre relation avec le Coran, c'est que l'on connaisse le licite et l'illicite, mais on ne les pratique pas. On cherche plutôt des failles, facilités. Qui va me donner la fatwa pour pouvoir pratiquer ce haram? La chasse à la fatwa pour pouvoir s'amuser avec la religion d'Allah. Et il appelle 10 personnes jusqu'à qu'une personne elle lui dise oui à ce qu'il veut. Et en plus il est fier. Je suis intelligent.
J'arrive à trouver des feintes, mais il ne sait pas qu'il joue avec Allah. Parmi les formes d'exil du Coran qui sont répandues, le fait de délaisser, de revenir au jugement du Coran, de se faire juger dans toutes nos affaires religieuses ou mondaines par le Coran qui est descendu comme un guide pour l'humanité. Que ce soit dans notre vie, dans nos relations commerciales, dans nos relations sociales, dans toutes choses. Et on préfère à cela des lois inventées par des pervers égarés ou bien les us et coutumes répandues dans nos régions et dans nos tribus. Parmi les formes d'exil du Coran qui sont répandues, le fait de délaisser sa méditation, d'en comprendre l'essence pour pouvoir en tirer des règles, pour pouvoir le pratiquer. Parmi les moyens de délaisser le Coran et les formes qui sont répandues dans le fait de délaisser le Coran, délaisser l'apprentissage de la langue du Coran, la langue arabe. Pour ceux qui savent parler l'arabe, délaisser le fait de parler l'arabe. Et même dans les pays arabes, c'est devenu une forme de snobisme et une forme de bourgeoisie quand on parle français et anglais. Et si tu viens parler avec lui l'arabe littéraire, on te regarde et on se moque de toi. Ah, tu parles comme un dessin animé, on te dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Se moque de la langue du Coran. Mais ils vont lire la langue de Paul ou Jacques ou John. Comment on va comprendre l'islam si on ne comprend pas la langue arabe? Si nos descendants sont loin de la langue arabe, n'importe quel innovateur il se lève, il raconte ce qu'il veut sur l'islam, tout le monde va avaler. Alors que si quelqu'un maîtrise la langue arabe et les sciences de l'islam, il ne peut pas se faire piéger facilement. C'est pour ça qu'on trouve la plupart des innovations et des égarements et les mauvaises compréhensions de l'islam, la plupart, elle est chez les non-arabes. Parce qu'ils n'ont pas accès direct. Ils ont accès que à leur chouyour. Si son cheikh il dit n'importe quoi, il n'a pas le moyen de vérifier. Aucun moyen. Il suit aveuglément. Serviteur d'Allah, parmi les formes de délaissement et d'exil du Coran, le fait de délaisser, le fait de se soigner par le Coran. Le Coran, Allah Ta'ala, il l'a descendu comme guérison pour les poitrines, pour les corps, pour les raisons, pour la vie, pour les morales, pour toutes choses. Bien sûr, les causes licites, des médicaments licites ne sont pas interdits en islam. Mais pourquoi délaisser aussi le fait de se soigner avec le Coran ou avec ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la médecine prophétique par exemple? En plus des médicaments licites, ou en base on va dire, et les médicaments licites ils viendraient en plus plutôt. Serviteur d'Allah, je m'étonne d'une communauté qui a exilé le livre de son Seigneur, qui l'a éloigné de sa vie, puis après cela elle espère l'aide d'Allah et son secours contre ses ennemis. L'aide d'Allah a des conditions, et tant que ces conditions ne sont pas mises en pratique, on ne peut pas espérer son aide. Ceci est la sunna d'Allah sur terre, c'est la tradition d'Allah dans l'univers, cela ne change pas. Celui qui croit que juste parce qu'on est musulman, on va avoir l'aide d'Allah, alors il est en train de rêver. Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nur, dans le sens des versets, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Quelles sont leurs caractéristiques? Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Voilà les conditions pour mériter l'aide d'Allah. La foi correcte, les bonnes actions, adorer Allah sans rien lui associer. Pratiquer l'islam. De même qu'il y a des conditions après la victoire. Quand Allah a donné la victoire, ou quand Allah a protégé ou a élevé la communauté, il y a des conditions pour rester préservé et pour être reconnaissant envers Allah. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, verset 41, dans le sens des versets, « Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah. » Donc, les causes de se préserver,
dans le monde musulman, si on veut que les musulmans soient préservés une fois qu'Allah leur a donné victoire, accomplir la salat, acquitter la zakat, conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Serviteurs d'Allah, revenez au livre de votre Seigneur pour gagner dans cette vie la victoire et l'honneur et dans l'au-delà le paradis éternel et la récompense suprême de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous faire revenir au Coran et aux enseignements du Coran, de préserver la ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui donner victoire dans ce mois béni. Walhamdulillahi rabbil alamin.